Alors Narodom est un, effectivement un manœuvrier politique. Prabhan Narodom, chi neak chumnien yuttasah noyobai da ochcha. Praong prakop doy ka yol dang noyobai ku oy kot sasah. Praong taeng tae da maha amnai oy prachang khnie. Barang prachang Siem. Siem ning barang pel da mien okas. Ning pel kla khmae ning barang. Pel da trong kan tachat teu. Praong trou ban chran chen doy phiep rong rueng. Ning santhiphiep civil da lich laeng. ក្រោយពីវត្តមានបារាំងទ្រង់ត្រូវបង្ខំប្រតិបោះបង់នៅអំណាចមួយចំនួនរបស់ទ្រង់ការបញ្ចប់នៃរាជការរបស់ទ្រង់ប្រកបដោយសន្តិភាពតែមិនសូវចុះសម្រុងជាមួយនឹងបារាំងទ្រង់ក៏បានដាក់ចេញនៅដោយឯកឯងដោយមានបរិវារដែលការពារទ្រង់ហួសជ្រុលបើយើងនិយាយអំពីព្រះបាទស៊ីសុវណ្ណយើងអាចមើលឃើញលក្ខណៈខុសទ្រង់ប្រកបដោយភាពរុះរាយរាក់ទាក់ម្យ៉ាងទៀត C'est quelqu'un qui a été beaucoup sur le terrain, dans la forêt, qui a... Il a vu l'armée française à l'œuvre. ដោយបារាំងជាអ្នកដែលបានវិជ្ជាលើប្រទេសវៀតណាមដែលមានទាហានល្អឯកប្រចាំតំបន់ព្រះបាទស៊ីសុវណ្ណក៏បានយល់ថាប្រទេសបារាំងជាប្រទេសមានអំណាចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយហើយនៅដំណាក់កាលដំបូងៗព្រះបាទស៊ីសុវណ្ណមានបំណងនៅក្នុងការបង្កើតឡើងនៅកងទ័ពជាតិកម្ពុជាមួយផងដែរ ដែលមានអាកប្បកិរិយានិងការយល់ឃើញនយោបាយខុសគ្នាព្រះរាជាទាំងពីរអាចក្តាប់បាននៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃកលតិសាព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិទ្រង់មានភក្តីភាពចំពោះព្រះរាមរបស់ទ្រង់នេះគឺគួរឲ្យកោតសរសើរដោយព្រះបាទនរោត្តមភ័យខ្លាចនឹងភាពល្បីល្បាញរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក្នុងចំណោមប្រជាជននិងនិមឺននានាហើយបានធ្វើបាបព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិអរិយៈពេលយូរ ប៉ុន្តែព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិពុំដែលបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាឬពាក្យប្រឆាំងនឹងព្រះរាមរបស់ទ្រង់ឡើយទោះបីជាទ្រង់ត្រូវបានរងទុក្ខលំបាកដោយការនិរទេសទៅបាងកកខេត្តបាត់ដំបងនិងគង់នៅសៃហ្គុនអស់រយៈពេលវែង ដែលនេះប្រហែលជាជួយទ្រង់ចងទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍បារាំងព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមានប្រតិស្មោះស្ម័គ្រនឹងបារាំង ដែលធ្វើឲ្យបារាំងផ្ដល់ប្រយោជន៍ជូនទ្រង់ប៉ុន្តែយើងមិនគួរគិតថាព្រះអង្គស្ដាប់បង្គាប់បារាំងដោយខ្វះការពិចារណាឡើយទ្រង់មានមូលហេតុសមស្របពេលវេលាមិនអំណោយផលសម្រាប់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិក្នុងការទាមទារឯករាជ្យដោយទ្រង់ខ្វះខាតធនធានចាំបាច់នាពេលនោះ Alors Narodom est un, effectivement un manœuvrier politique extraordinaire. Il a une intelligence politique tout à fait extraordinaire qui joue les puissants les uns contre les autres, les Français contre les Siamois contre les Français à des moments opportuns. Et puis les Khmers contre les Français à certains moments. L'âge venant, il se trouve un peu, en quelque sorte, désavoué par la prospérité et la paix civile que représente la présence française. Il est obligé d'abdiquer un certain nombre de ses susceptibilités antérieures. Mais la fin de son règne est à la fois paisible, mais ne représente pas cette convivialité. Le roi était tout de même beaucoup plus isolé, avec un entourage très protecteur. Avec Sisova, c'est un peu différent. C'est un homme qui a le sens de justement de la convivialité et du contact. C'était un prince très courageux physiquement. C'était aussi un excellent cavalier. C'était un soldat. C'est un homme qui s'est engagé, qui a combattu. C'est quelqu'un qui a été beaucoup sur le terrain, dans la forêt, il a vu l'armée française à l'œuvre. Il a vu en quelque sorte la supériorité que donnaient les armes modernes et l'armement et l'organisation moderne de l'armée sur les armées traditionnelles. Le fait que les Français aient vaincu les Vietnamiens,
le soldat par excellence et le, à la fin du XIXe siècle, avait donné à Sisovat l'idée que la France était une puissance militaire intéressante. Et très tôt, Sisovat a eu l'idée ou le désir de créer une armée nationale cambodgienne. Chacun des monarques était parfaitement adapté, avec un sens politique très différent l'un de l'autre, mais très adapté à la situation géopolitique mondiale. Le roi Sisovat, il a été très fidèle, au souvenir de son frère. Alors, ça n'est pas sans mérite, parce que le roi Norodom a plutôt brimé Sisovat pendant une longue période de sa vie. Parce que Sisovat était très populaire dans la population, beaucoup plus populaire que Norodom, et auprès de mandarins provinciaux. Mais Sisovat n'a jamais eu un geste ou un mot de rébellion contre son frère, et il a subi son exil à Bangkok, à Battambang, et surtout un long exil à Saigon. Alors, l'exil à Saigon a probablement contribué aussi à lui faire nouer des liens avec une communauté française, une forme de loyauté de Sisovat qui a été ensuite d'une certaine manière récompensé par les Français. Mais il ne faut pas imaginer que le roi était servilement pro-français, il était réaliste. Et il n'était pas à l'heure de Sisovat de revendiquer une indépendance qu'il n'aurait pas du tout pu assumer avec les moyens de son administration.